Friends. Ah, c'est moi, وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا. هذه زوم فرانشيز رجعنا لكم بعد يوم بتيت بوز في شهر رمضان. ان شاء الله عيدكم مبروك دايوغ الناس الكل, ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. احنا رجعنا لكم ليكيب او كومبلي. ريم بدو عياري نوتر اكسبيرت, اهلا وسهلا بك عاصمة, عيدك مبروك وسنين دايما. مرحبا بك بحذانا. اي بيان احنا اون فا روبروندر بيان ايفيدامون لي بونز ابيتود, وباش نرجعوا نحكيو على عالم لو franchise في نصيف ساعه من زمان بعد شويه entreprendre en franchise bien évidemment ou les idées اللي كل مره تودنا بهم ريم في دي بروجي دي كونسيبت حاجات اللي نجموا يكونوا انسبيرونت ليكم انتوما اللي تسمعوا فينا. ولكن بور لانستون البدايه تكون كيما تعودتوا مع فرانشايز هوت سبوت. فرانشايز هوت سبوت. Alors, اليوم في فرانشيز هوتسبوت باش نرجعوا ريم على واحد من المعارض الكبيره والقويه والمعروفه جوستومون في عالم لو فرانشيز اللي هي فرانشيز اكسبو Paris, oui. وما جاءت به من جديد. Alors, c'est la deuxième année consécutive que oui, franchise, en fait, on est partenaire du Master Summit, le Master Summit, qui est un événement en marge du salon de la franchise à Paris. Mm-hmm. Et c'est un événement très intéressant. En fait, le salon de la franchise Fibélise, il vous permet d'avoir un développement de réseau et d'exposer de plusieurs façons. C'est soit vous exposez donc normalement, soit vous faites partie du Master Franchise Summit. Et là, vous allez avoir une journée de B2B dédiée pour vous, où ils vont inviter des masters franchisés. Mm-hmm. Et moi, cette année, dans le cadre de notre partenariat, j'ai travaillé avec une délégation de la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Donc, ça nous a permis de faire trois belles journées dans ce salon en tant que partenaire du salon. Nous avons, moi, à titre personnel, en tout cas, j'ai relevé plusieurs choses qui ont un tout petit peu changé cette année. Et c'est tellement important que ça vaut la peine d'en parler. D'abord, la hajalou, là, c'est que aujourd'hui, on comprend que c'est plus simple de prendre un franchisé, Wazarkinafi fait les émissions Mterna, de prendre un franchisé et de développer le potentiel du franchisé plutôt que d'aller chercher de nouveaux franchisés. Donc il y a eu le Multi-Franchise Summit. Et mm-hmm. qu'est-ce que c'est le Multi-Franchise Summit? Ça a été une réunion, un networking pour les multi-franchisés pour leur permettre de développer encore plus leur panier. Wow. Et d'acquérir de plus d'enseignes. Yanni, Lyoma, Narki, Warala, un franchisé. Un seul franchisé, il y a plusieurs franchises, c'est la même enseigne. Exactement. Ou il y a plus ou moins les procédures ou le parcours. Exactement. Ou je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui. Donc, il y a une autre chose à faire sur le sommet. À tel point que il y a le Multi-Franchise Awards, donc il y a eu des prix qui ont été décernés aux meilleurs multi-franchisés des réseaux. D'accord. La nouvelle chose, c'est d'aller salon Heda, où je félicite d'ailleurs les organisateurs parce que je trouve que c'est très intéressant. Ils ont commencé à travailler sur un axe plus percutant et plus jeune. Mmh. Alors, Schmart a un axe plus percutant et plus jeune, c'est qu'aujourd'hui, vous étiez, d'ailleurs, il y avait des photos, j'avais pris des photos avec un fameux YouTuber, Hugo Travers, Hugo Décrypte. Oui. Et j'avais posté ça sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que justement, Tawawale Yirdmo avec les champions sportifs, Yirdmo avec les Instagrammeurs, les créateurs de contenu, et les Huma Waleo, ils portent le message de la franchise. Et ça, c'est très, très, très intéressant de le faire parce que le Paris Expo, franchise Paris Expo, ils sont en train de parler aux gens Donc, on est passé d'une communication traditionnelle, on va dire standard, à une communication qui est plus percutante. Et puis, on parle aussi d'un entrepreneuriat. Qui m'a dit un petit champion sportif, on va faire carrière, vous allez vous recycler et vous allez travailler quelque part et donc pourquoi pas être entrepreneur à travers une franchise. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié et qui était assez notable, c'est que le salon est devenu un lieu de vie, Zedoufi des cafés. D'accord. On améliore un salon, on nous fait les espaces de rencontre. Oh, mais en fait, pas du tout. Chez l'autre direction, Zedou des cafés ou Zedou une crèche.
ياسر انجينيوز الحكايه خاطر انت ريالمون معناتها فوز عملوه دابور سامدي ديمانش سامدي ديمانش لاندي دونك انت انا كنت تفكر لا بروميير اديسيون دو تونيزيا فرانشيز شو جو لافي في فاندردي سامدي وفي تونس لو سامدي مش العباد اللي جاو فاندردي اكثر من العباد اللي جاو لو سامدي على خاطر احنا مازلنا بور نو ان سالون يلزمنا دو لاندي او فاندردي اي اون ا سامدي سي بلوتو لي فاكونس سي بلوتو العائله القضيه سي فاميليال اللي عنده باش يخرج يقضي اللي عنده باش يعمل الكرون ميناج اكسترا سي توجور لي سامدي ديمانش اي سي ان بو دوماج على خاطر ريالمون معناتها il faut miser sur ces temps là où la personne عندها réellement le temps elle a pas les engagements du bureau ما عنديش عارفه باش نقولها علي خديت نكون شي ولا علي مشيت هنا ولا وينك انت في الوقت هذا samedi dimanche c'est toujours les meilleurs moments pour faire des projets d'avenir et pour vous concentrer et sortir de des appels des emails c'est samedi dimanche ou اليوم وقت اللي les espaces café par exemple معناتها يزيد العدد نتاعهم est-ce que les rencontres justement زادوا يعني هذاك هو البوت سي اتر معناتها اليس في في de pouvoir aller s'asseoir quelque part de pouvoir prendre un café de manger quelque chose et de vraiment et d'éviter un réseautage mais autrement autrement et d'éviter que les gens sortent du salon pour aller prendre un café يقعدوا في الصالون هاكا عندك القهوه هنا 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 et vous choisissez un tout petit peu comment vous voulez approcher معناتها cette relation avec mais tout le monde a son stand c'est normal mais حتى les visiteurs du salon ils peuvent prendre leur temps ils sont pas stressés ils peuvent معناتها vraiment trouver où se poser se reposer le temps de continuer à faire le salon voilà donc هذوما ثلاثه حاجات اللي شدوا انتباهك في le salon Franchise Expo Paris nouvelle façon de communiquer beaucoup jeune, plus jeune avec des instagrammeurs des créateurs de contenu, le salon est un lieu de vie et puis vraiment se concentrer sur cet axe de la multifranchise. Eh ben, حاجه مهمه برشا d'ailleurs بالنسبه للمultifranchise حكينا فيها قبل ونجم نعاودو نرجعو éventuellement ونحكيو على les moyens de communication جدد ريم ça serait génial. Sinon, je نرجعو justement في franchise hotspot على عدد من التساؤلات اللي جاونا justement par rapport لعالم le franchise فما حاجات اللي حكينا فيهم قبل يمكن بلوس دو ديتاي بالنسبه للعباد اللي تسال اول سؤال ريم هو لو دووا دو ريتراكتاسيون دان كونطرا احنا حكينا فيه كاين لي دو كوتي دايور حكينا وقتاش لو فرانشيزي وقتاش لو فرانشيزور ينجم يتراجع و معناتها يوقف الكونطرا اللي ما بيناتهم ولكن ا بريوري فما شكون مازال ماهوش ملم بالحكايه كومبليتمون دونك كي ا لو دووا Ou je les droits inter, finalement. Alors, je m'arrête tu as le droit de rétractation. C'est que, elle a par exemple, ça a le contrat, elle a fait le dar, elle a fait قمت الصباح قلت لي يا لطيف ولا روحت قلت لمرتي ولا راجلي ومعناتها لي بو معناتها لو كونجوان قال لي اش عملت عليه دونك احنا اون فيت اسكو اون ا لو دروا نرجعوا بو دو 24 48 اور باش نقولوا اسكو معناتها ماشي كيما في سوبر مارشي وعندك دو سمان باش تروح بتيكيت كاس باش ترجع ونرجعوا فوالا البضاعه لا تستبدل Le droit de rétractation n'existe pas en franchise. عندك DIP كنت تفكر قلنا عندك DIP تحط معها le contrat et vous avez 3 semaines de temps de réflexion avant de signer le contrat. Mais une fois que صحت le contrat, c'est fini. ولكن احنا نحكيوا على rétractation ولكن راهو ان contrat يقف هذيك حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى لا ريتراكتاسيون سي كي نقول لي بطلت تراجعت معناتها تتراجع على قرارك وتقول سي بون لي بطلت ومانيش باش نبدا لافونتور هذيا راه اون فوا لو كونترا سيني سي بون من بعد بتقدم الامور تخدم تشوف الفرانشيزي والفرانشيزور يشوفوا امورهم فما ربح ما فماش فما فلويديتي في الخدمه والا لا غادي وين تير اون ايفالواسيون للكونترا هذايا نوتامون سينون لا ريتراكتاسيون راه ما فماش ما فماش معناتها ما تنجمش تمسح الكونترا وترجع لوندوما تكلموا تقولوا بربيك الوريقه هذيك لا لا سا مارش با كوم سا با سا مارش با كوم سا Justement, nous allons parler de la franchise, nous allons parler d'une clientèle. Nous savons que le brand est une clientèle. Et aujourd'hui, le franchisé ou le franchiseur a le droit ou les droits d'utilisation par les fiches clients. Voilà, c'est très important. La data. La data. Et il dit qu'il y a la data. La data. C'est très important. Qui a le droit de la data? Est-ce que c'est l'enseigne ou est-ce que c'est le franchisé? Je me trouve, par exemple, je suis en train de faire une zone. Donc, أي client في zone هذه ou la data نتاع zone هذه, elle m'appartient de façon exclusive. Et bien, figurez-vous que oui et non. Je m'entends oui et non.
كان انت ان طون كو فرانشيزي في الكونطرا من الاول حطيت راني انا باش نخدم مع الزون هذه اي مي كليون مو سون اكسكلوزيف نوتي نوار سور بلون نوتي نوار سور بلون في الكونطرا وقتها سي لو كا مي كان انت ما يا ان سيلونس ابسولو دو سو كوتي لا اي جو سوي سور كو لي افوكا بوف ريفينير مي هذا معناتها سي لا جوريسبرودونس نخدموا عليها على فرنسا اي اون اي لو كا ايتي ديسكوتي دون بليزيور معناتها اوفراج اكسيتيرا طون كو il n'y a pas eu de clause spécifique dans le contrat. Rahou, la data, elle appartient au franchiseur. Il a le droit de l'utiliser. Mm-hmm. C'est sa marque. Wow. Le client, j'ai le marque X. Mm. Donc, c'est un tout client en sachant, Nena, je me dis qu'il est le marque X, ou elle est exclusivement, Hataïb Dabirid, je me suis juste le point de vente, elle est le franchise avec. Oui, mais il y a que la data, la clientèle, elle appartient à cette enseigne. À moins que Inti, en tant que franchisé, Ahmed Rouhakmalou, le Koltarani, et mes fichiers clients, je ne les partagerai pas, ils sont à moi. À la fin de votre franchise, qui ne s'accroule le dossier au bout de X années, le franchiseur, il y a la data, il y a la data, là à la khatr la data elle est là pour l'enseigne et donc c'est la marque est à moi donc اذا كان ce n'est pas معناتها ماهيش مكتوبه في الكونترات اللي الداتا هذيك ولا فيش كليون هما البروبريتي نتاع الفرانشيزي est-ce par défaut اي par défaut justement le franchiseur قلت لي هو عنده الحق انه يستعملها ولكن الفرانشيزي زاد عنده الحق انه ياخذها ولا لا Alors, ça dépend encore de ce qui a été écrit dans le contrat, mais le chkeli amta le franchisé, c'est que ça a une clause de non-concurrence. Voilà. Tfakara. Yes. Ouais. Donc, tout ça, c'est l'omour honi, du coup, mais depuis qu'on me loul, ça peut faire les contrats. Encore Exactement. Et toujours. Encore et toujours. Et là, il y a des avocats qui sont faits pour ça. Et on peut vous aider. Ahnabi Naoui Franchise, on peut vous accompagner. Mais à la fin, ça reste vraiment. Marnata, beaucoup de détails. C'est très important d'avoir des conseils. Et il faut voir les avocats, bien sûr. Non, on redoute toujours le contrat, je suppose. À la khatr Zedavi, Nokta Mohamma, Waktelli, le franchise, ou le contrat, Amta le franchise, Yerkof Youfa, Rim. Femma, des fois, des stocks. D'un vendu. À qui ils appartiennent. Oui, les chkoun. Est-ce que Pierre-Jou, le franchiseur ou le franchisé, ou les pchits s'arrafent Alors, le franchiseur, chikolek, enti, à partir de la date du 31 décembre, madame l'archim ta l'année, ou fait le contrat mtéak. Donc, le 1er janvier, Naharmbad, vous n'avez plus le droit de les vendre. Donc, enti, kentarf rohak, le contrat de franchise mtéak, ptol, voilà, il arrive à terme, btaradi, mais que enti mathabj ta'aoud, assurez-vous que vous allez vendre vos stocks avant la date légale. De la fin de contrat. Après la date de contrat, vous êtes dans l'illégalité. Le franchiseur, il y a un En général, dans les contrats de franchise, qui fait 9 mois avant la fin de la date du contrat, on commence les négociations. On se donne 6 mois pour négocier. Et si 3 mois, 90 jours avant la date fixée de la fin, de la fin du contrat, s'il n'y a toujours pas eu d'accord, 3 mois avant, donc 90 jours avant, le franchiseur Marta conclut qu'il ne va pas y avoir de renouvellement et de ce fait, pour faire les procédures. Liquider le stock. Et ça inclut liquider le stock. Peu importe son stock. Alors, il y a deux façons de faire. Il n'aime le franchiseur. Alors, ou liquider, souvent, c'est écrit que vous devez vendre à des prix معناتها qui sont alors le ministère du commerce il vous interdit de fixer les prix et mais c'est fait le droit commercial le prix conseillé par le franchiseur donc le franchiseur باش يقول لك ما عندكش الحق تبيعها بالسوم هذا معناتها ما نجمش قطعة ب100 باش تبيعها بدينار alors شنو en général les gens qu'est-ce qui s'arrange à faire c'est à l'amiable هذه القطعة بمية هفش نعود نخذ عليك أنا بثمانين هكا أنت مخسرتش ومخسرتش برشا وانا جو في فيغ ان إيفور حتى كان سي بلو لا كوليكسيون أكتويل إكسيتيرا دونك أون جينيرال إل فو ميو إسيي دو ليكيدي لو ستوك مي لو ستوك راهو أن تانك فرانشيزي إل فوز أبارتيان وهذايا سي أن كو أديسيونيل بور فو سي ونعريفي با لو فوندر إذا كان ما تبيعوش ستوك يرجع دونك للمارك يرجع ولا يقعد وما عندكش الحق تتصرف فيه يقعد ما عندكش الحق تتصرف فيه ومام تكنيكمون يا دي زانسين كي فو دوموندو لو ديتروير Ah, d'accord. Oui. Hatarit, les bloc-notes, les papiers en tête, les cachets, les colchets, vous êtes dans l'obligation de tout détruire. Ah, mais. Alors, c'est un accord à l'amiable.
ينجم يكون يعني ينجم يكون فما ينجم ينجم يكون فما اون بيست باش يفو كو سوا انتيليجون خاطر انت ما تنجمش تجي للماركه تقولها مثلا هذه ب 100 باش نبيع لك 150 باش انا ما نبيعش لحد اخر وما تنجمش تزيد الماركه تجي تقول لك هذه ب 100 باش نبيع لك 2 دينار دونك سي ديزاكور على ميابل باه سينون نمشيو لسؤال اخر اللي سيغتانمون الشخص اللي يحب يلسوت لو با كيما نقولوا يحب يتعدى من ستاتيو نتاع سالاري لي فرانشيزي يقول لي تشالنج اليوم اسكو كبار شنو ما كيفاش Oui, alors le plus grand challenge en fait c'est que comme toute la franchise c'est de l'entrepreneuriat donc le plus grand challenge que vous allez avoir c'est que réellement si vous passez du statut d'un professionnel en entreprise à un statut de franchisé, ça va être d'être indépendant, autonome. Oui. Une des plus grandes c'est la charge mentale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous compreniez que vous avez, c'est vrai que vous avez une franchise derrière vous qui va vous aider. La franchise, elle peut mettre à votre disposition une plateforme, elle peut mettre à votre disposition un carnet d'adresses, une banque de données. Mais là, il mouche et abjigible clionet fuborotek. Donc, il ne faut pas penser que si vous êtes allé vraiment sur un stade d'entrepreneur assisté, vous êtes un vrai entrepreneur et vous avez la responsabilité de votre chiffre d'affaires. En franchise, là où c'est l'organisation, il faut être très, très, très organisé. Où il faut être très appliqué. D'abord, je tire les informations, le collier à Tahoul, le franchiseur, et vous allez essayer de l'appliquer sur le terrain. Donc, c'est bien le background que vous avez eu une touma en tant qu'employé, mais aujourd'hui, les qualités qu'on va vous demander, c'est de l'autonomie, de l'indépendance et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Ça, ce sont les plus grands challenges. Khatratna, je me tout le business plan, t'es à Kartatoul, que le bank, Khatrakin, t'y franchise, où ils ont confiance, ou le Khatna, je me tout faire de flou, c'est que dans tous les sens et réellement au bout de 3 mois donc c'est de l'autonomie l'indépendance et surtout d'être organisé voilà donc et donc ma tlefa hajet li lazem tkhdem alayhom voilà bach tqoul annak tnajem peut-être éventuellement tnajah men tta'da men statut nta salarié le statut nta franchisé voilà hadi kanet franchise hotspot hna mwaslin ma3kom wa Entreprendre en franchise ou des idées d'autres, très les commandes. Entreprendre en franchise. Les nouvelles idées, بالنسبة لريم ريم باش تهزنا نعرفوا رمضان وماكلة وجو عرفت تختار الحقيقة الأفكار نتاعك كريم موتيفاسيون بيرسونيل موتيفاسيون هذه للناس الكل الناس الكل نبدا بروحي الناس الكل بيان نحكيو على دي سال دو سبور ولكن نوفيل جينيراسيون اش معناتها كيفاش وكيفاش ينجم يكونوا اون فرانشيز جوستومون الوغ اسهل برشا لا دوبليكاسيون دو سو موديل سي دي سال دو سبور اي hyper connecté. Ah. Voilà. Donc, معناتها كنا نمشيو نعملو فيتنس، كنا نمشيو نعملو كارديو. Mais en fait, le nouveau concept, et d'ailleurs, la salle de sport Fitouns, elle avait commencé ça avec. هي الحكاية هذي نتاع les salles de sport hyper connectées بداو في الكوفيد. Dès le Covid, parce qu'on ne pouvait plus aller physiquement dans les salles de sport. Et donc, ce qu'elles faisaient, les salles de sport, c'est qu'elles vous envoyaient des scénarios, des enchaînements, etc. À travers, donc, par mail, voilà, un lien sur YouTube. Et puis, ils ont continué à le faire. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des marchés comme la Tunisie, voilà, comme la France, le healthy, c'est une tendance qui ne fait qu'augmenter. En fait, chez France, aujourd'hui, il n'y a pas assez de salles de sport pour répondre aux demandes. D'accord. Et puis, vous avez plusieurs gammes de salles de sport. Enfin, il y a des salles de sport qui sont très, très haut de gamme. Vous payez très cher, vous payez donc la qualité, vous payez le service, etc. Et puis, il y a des salles de sport qui sont très low cost et qui ont vraiment pris pour pari la digitalisation. La digitalisation, en fait, ça ne coûte pas très, très cher et c'est un service important. Donc, les salles de sport ultra connectées, c'est des salles de sport qui vont vous prendre vraiment en charge. Mais les entités travaillent à travers les instruments connectés à travers vos propres moyens de télécommunication, l'entraînement, les régimes, donc tout ça, ce sont des services qui vont se greffer autour de votre abonnement qui est un abonnement basique, mais la connexion, les performances sur un track record, etc. Tout ça, c'est la nouvelle tendance des salles de sport, sont ultra connecté. Eh ben les programmes d'ailleurs, حتى les programmes fitness, les marufin ou quoi, ou les
يخدموا بهم و ils attirent justement de la clientèle. C'est la nouvelle tendance. Ou ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet de travailler avec vous, que ce soit dans la salle de sport ou que ce soit chez vous, et ça vous permet de vous fidéliser. Quand une fois rabattre l'application, une fois qu'on a un track record ou l'histoire de Akradika ou le col, maintenant tu as outbad de l'abonnement, tu as outbad de la salle de sport, c'est pas très intéressant. L'autre chose, c'est que ça leur permet de faire beaucoup de marketing, de faire du push ads parce que vous êtes déjà connecté, vous avez maintenant les notifications, donc ils vont pouvoir vous vendre ça. Non seulement leurs produits, mais les produits des marques qui collaborent avec vous. Et puis, ça permet aussi de créer une communauté parce que NHO, la performance, c'est à Malta. Je peux me mettre d'accord de partager ma performance avec d'autres membres de ma communauté et on peut comparer nos performances, etc. Donc, c'est très important. Tout ça fait partie, Marnata, de la nouvelle génération des salles de sport. ميرسي شكرا لك كريم بدوي العياري هذه كانت زوم فرانشيز بالنسبه للاسبوع هذايا المواعيد جدد الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس التوقيت ونفس النهار نقول لكم متابعه طيبه لبقيه برامجنا على راديو اكسبريس اف ام زوم